que bah fait du là même parce que c'est dans le sud la ville des Cayes que nous avons foire qui est un peu partout à travers la ville là. Donc c'est pas un cadeau mais c'est un travail de longue haleine que la police, le parquet, la justice, la communauté cayenne fait que aujourd'hui nous comprenons des sécurités dans la ville là. Donc ça fait que nous là pour nous regarder comment nous avons une voiture dans la foire et c'est vraiment bien. Donc, je salue, je porte appui à toute la population de Port-au-Prince. Et je suis dans le moment ça, dans l'opération Bois-Calia. Donc, Bois-Calia, je pense que c'est un mouvement qui sort dans le sud. Parce que le sud, toujours, fait le pas, donne le ton que Jean de Bagaille a fait. Donc, depuis 2019, dans le tête-parqué à Okaïla, nous toujours à chasser les bandits. Et Barreau, ça a mérité parce que son choix lié. Donc, ce soit que vous déposez les armes là ou bien vous reposez. Donc si vous ne voulez pas reposer, donc vous parlez directement dans le cimetière. Donc la population comprend le mouvement aujourd'hui pour accompagner la police, accompagner l'État, parce que nous connaissons que nous n'avons pas assez de policiers pour battre ensemble de gangs. Mais lorsque le mariage est fait entre la police et la population, a bien résultat, et ce n'est pas prévu à faire. Il est fait en 1804, parce que blancs et haïtiens et noirs ont été entendus avec Mulapio, ils ont été baillés en 1804. Et c'est avec bâton, piquette, manchette, tout ça a été fait. Elle était faite en 1986. En 1986, la population a été entendue ensemble. Ils ont fait ça au capable pour être capable de voyer les divaliers aller. Elle fait tout en 2004. Donc, son peuple qui compte souffrir, mais son peuple qui va mourir à genoux. Nous avons plus que deux ans, trois ans, à souffrir. La population a assassiné, a décapitalisé, a kidnappé, a tué, mais je dis à Abraham, c'est assez, et il prend la route. Donc, moi, je sens moi-même son fierté aujourd'hui pour nous parler dans le sud parce que nous avons au moins une lumière de sécurité dans la ville. Et nous avons continué le travail. Donc, par rapport au mouvement Bois-Calé qui a fait Port-au-Prince, nous tous lançons un message à Bandio. Le sud sont seuls. Là, il dit que si nous prenons la côte, nous prenons d'ailleurs parce que nous ne pouvons pas quitter gang vine et planter dans le sud. Donc, quand on est là, nous prenons les Anglais. Dans des problèmes les Anglais, on a descendu les Anglais, on a privé Chardonnière, nous allons parler avec la population pour n'importe nègre qui rentre sur Timartisan, sur la capitale là, pour ne pas négliger, informer le parquet des Cayes, informer la police pour que nous descendons, nous faisons ça que nous supposons faire, nous devons faire. Bon, gaz là, donc c'est un produit transversal lié. Donc l'État fixe prix gaz là supposé vendre. Et dans le sud, donc il faut regarder bien. Il y a gaz qui est vendu à un prix que vous-même. Chaque pompier est vendu à un prix différent. Sauf que nous avons entendu avoir pour vendre à un prix. Donc, ils ne pas respecté. Et parce que dans le jour qui vient là, nous sommes obligés de faire ça, nous devons faire. Parce que, comme nous bien, le parquet, bien le commissaire du gouvernement n'est pas la seule autorité de la ville. Il y a aussi le ministère du commerce. Le ministère du commerce, c'est lui-même qui vous donne le ton et pour le parquet, lui-même, il marche derrière. Parce que le ministère commerce là, donc il faut qu'il connaisse que l'État lui-même lui fixe son prix, ou bien si nous entendons son prix, si monsieur a fait des ordres, il faut que nous rappelions à l'ordre. Parce que je dis à Jean-Barre, là et là, nous pas la souhaité que et Bois-Calé a général, Bois-Calé a des bandiliers, mais moi et non, donc il faut que les gens qui vendent, les gens qui sont commerçants, les gens qui accompagnent les populations dans sa ligne. Donc Gaza, qui n'a pas un prix fixe dans le sud, bon, c'est que nous allons chita avec le ministère du commerce, délégation, la mairie, et pour que pour un prix normal. Parce que eux-mêmes, première rencontre que nous avons fait avec les commerçants, ils ont vendu gaz. Ils ont dit que le gaz a acheté un prix américain. Ils ont dit que ils ont payé Delma 2. Ils ont dit que ils ont payé Matissan. Ou bien ils ont transporté le bateau, donc ils n'ont pas vendu le prix l'État. Donc c'est ça qui fait. Et ça a été dit. Ça fait que nous sommes obligés de rester dans la limite avec pour que le sud ait un gaz. Mais si vous ne voulez pas respecter, nous sommes obligés de passer à l'autre niveau pour nous que pour Gaza, pour prix l'État, lui-même respecter la population. Si vous ne voulez pas respecter, c'est prix l'État qui prend a priori et en priorité. Donc toutefois que vous n'avez pas accepté. Ce soit au cas lui-même qui a un gaz ou bien pas de gaz du tout. Ce soit que vous acceptez de vendre prix l'État ou du moins pas de gaz du tout. L'État central lui-même prend la décision que lui-même lui suppose.